Bonjour, bonjour, comment ça va? Voilà, chez moi, il est 5h35 du matin. Donc, voilà, je me suis réveillé à 4h. Là, j'ai regardé un peu quelques vidéos et j'ai vu que juste après ma vidéo d'hier, l'Hadji Shérif m'a répondu. Et je me suis dit, comme moi-même, j'avais préparé déjà une autre vidéo dans la journée, donc vaut mieux faire celle de l'Hadji Shérif, comme ça, il la verra. Et puis, je vais vaquer à mes occupations. Donc, je vais répondre à l'Hadji Shérif parce que, apparemment, soit il ne m'a pas compris, soit il fait semblant de ne pas comprendre. Parce que mon message était très clair pourtant. Mais je vais dire les choses un peu plus simplement pour lui, de sorte qu'on soit sur la même longueur d'onde. Voilà. Parce que ce sont les malentendus, les incompréhensions qui amènent souvent les guerres inutiles. Alors que quand on se comprend, je crois qu'on ne se disperse pas et on parle du sujet essentiel. Et on s'arrange parce que, au fait, c'est ce que moi je veux. Ok, c'est fait. C'est ce que moi je veux. Je veux un débat, hein, si on peut appeler ça ainsi. Un débat intellectuel, intelligent, entre nous, ivoiriens. Moi, j'ai dit que je ne fais plus politique. Mais ça ne m'empêche pas de donner mon point de vue sur un sujet intellectuel, qu'il soit d'ordre social, politique ou simplement d'ordre social. Voilà. Donc en cela, comme tu as dit dans ta vidéo que tu veux un débat, mais il n'y a pas de problème. On peut faire ça sur notre page, sur nos pages, à partir de WhatsApp, on s'appelle et puis on met nos caméras et on choisit les sujets. Voilà, on écrit bien les sujets. Donc, tu as une copie des sujets, j'ai une copie des sujets. Et puis, on en parle. Voilà. Comme ça, on va étayer les gens et on va s'étayer. Voilà. Ce serait mieux. Parce que, dans moi, mon message, j'ai été très clair et j'ai dit ceci. Lorsque les gens, les partisans et les sympathisants du RHDP menacent les gens de mort, c'est silence radio. Voilà ce que j'ai dit. J'ai été très clair. Tu allais sortir des vidéos de crise électorale de 2020 où des gens menaçaient de mort, où des gens menaçaient le gouvernement, où les gens menaçaient Alassane Draman Ouattara. Tu allais sortir des vidéos des gens des Soroïs qui menace Alassane Draman Ouattara. Mais attends, frère, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Moi, je n'approuve pas qu'on soit de gauche ou de droite. Je n'approuve pas les menaces de mort. Mais j'ai dit, vous êtes cyberactiviste. Et quand tu viens dire que des gens sont là pour me manipuler, moi, je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un enfant qu'on doit manipuler. Ça fait quand même 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Et personne ne m'avait encore manipulé jusqu'à aujourd'hui et personne n'y arrivera. Parce que je sais que nous sommes dans un pays, nous sommes dans un continent où les noms se ressemblent. Je ne me base pas dessus pour régler mes problèmes. Je ne me base pas sur la consonance des noms pour dire que, OK, ce sont les partisans de temps, ce sont les partisans de temps. Mais moi, je vois. Par moment, quand ça vient un peu trop sur ma page, j'essaie de dire, ah ben voilà, les gens de telle part, parce que je les connais. Je connais le langage de tout un chacun. Tu sais, quand tu vis avec quelqu'un, à un certain moment donné, même son langage dans les écrits, tu connais. C'est pourquoi les gens attrapent les gens à partir de leurs écrits. Parce que ce que tu dis, quand tu parles, ça ressort là-dedans. Voilà. Et donc, c'est ça. Moi, ce que j'ai dit que lorsque les partisans du RHDP menacent les gens de mort, je n'ai pas dit que les gens ne menaçaient pas Alassane de mort. Mais la plupart du temps, les répliques concernant les menaces de mort et les menaces d'agression, les répliques là, la plupart du temps, viennent de l'opposition. Je dis bien les répliques. Ça veut dire que les premières actions viennent du RHDP. Ce sont les gens du RHDP. Je peux te donner, j'ai présenté, moi-même, j'ai publié des vidéos sur l'une de mes pages de Sewala, qui pendant la crise électorale de 2020, là. C'est Sewala. Et éclaireur, c'est eux qui ont été les premiers à faire les vidéos. Et vous le savez. Vous le savez très bien. Le nier, ce sera être malhonnête.
Le nier, c'est être vraiment malhonnête. Parce que moi, j'ai les vidéos là. Et vous ne jouez jamais à ces vidéos-là. Vous êtes toujours prêt à jouer les vidéos des gens qui menacent Alassane. Mais je viens te dire une chose. Alassane n'est pas le premier président au monde qu'on menace. Ça dépend de sa position. Est-ce que vous savez ce que c'est que même la chose présidentielle? Apparemment, vous ne savez même pas ce que c'est que la chose présidentielle. Parce que si vous savez ce que c'est qu'un poste présidentiel, ça n'allait rien vous dire. Je vous dis une chose. Même le président des États-Unis est menacé dans son propre pays, par ses compatriotes. Le président français est menacé. Tous les présidents sont menacés. Je vais te dire maintenant pourquoi les gens-là ont des gardes-corps, pourquoi ils ont des services de renseignement, pourquoi ils ont tout cet arsenal autour d'eux. Parce qu'ils sont menacés. Si les gens n'étaient pas menacés et que c'est Alassane seul qui était menacé, je crois que les autres présidents n'allaient pas avoir de gardes-corps, ils n'allaient pas avoir de système de renseignement, ils n'allaient pas avoir de gardes rapprochés, ils n'allaient pas avoir de système de sécurité très intense. C'est parce qu'ils savent que leur poste là, c'est un poste, quand tu prends le pouvoir net là, tu es menacé. Si aussi Alassane était chez lui à la maison, il n'allait jamais être menacé. Donc c'est vous, pourquoi ça vous étonne qu'Alassane soit menacé parce qu'il est président? Que les gens disent que non, ils vont l'enlever des forces et tout ça. Et c'est normal, ça c'est le quotidien d'Alassane. Ça c'est sa routine. Ça dépend du poste qu'il occupe. Et ça va continuer jusqu'à ce qu'un jour il quitte le pouvoir. Quand il sera plus au pouvoir, tu vas voir que personne ne va le menacer. Ça fait partie de son train-train quotidien. Mais moi, je te parle des citoyens lambda. Moi, je ne te parle pas du pouvoir. Parce que moi, je connais la chose. Je connais le pouvoir. Je sais comment on dirige. Parce que je me suis documenté beaucoup sur le pouvoir. Donc, moi, ça ne m'étonne pas quand quelqu'un dit qu'il va tuer un président. Ça ne m'étonne pas. C'est ce qu'on appelle la rage. Il est mécontent de quelque chose. Il ne sait pas comment l'exprimer. Et il dit que maintenant, il va tuer le président. OK? Si le garçon n'est qu'à aller tuer le président. Parce que le président, ce n'est pas un individu qui prend un seau et qui va au marché. Le président, il a un système de sécurité qui l'entoure. Tu es garçon, va le tuer. Il y a des gens, ils sont tellement fâchés qu'ils disent que non, ils vont faire coup d'État pour enlever le président. Moi, je les regarde et puis ils rient. Tu es sûr que tu vas enlever le président par coup d'État? Vas-y. Celui qui veut faire coup d'État n'a pas besoin de dire à quelqu'un, je vais faire coup d'État. Celui qui veut tuer un président n'a pas besoin de dire, je vais tuer le président. S'il dit qu'il veut tuer le président, c'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas tuer le président. S'il dit qu'il va faire coup d'État contre le président, c'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas le faire. Sur celui qui sait qu'il a une opportunité de coup d'État, il va faire son coup d'État. C'est quand il va finir son coup d'État que vous allez savoir qu'il a fait coup d'État. Vous avez vu déjà les gens sérieux qui font coup d'État là, prévenir que je vais te faire coup d'État tel jour à telle heure. Même le coup d'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que les gens disent à Gbagbo Laurent, on viendra t'attaquer à tel jour, à telle heure? Non, arrêtez, c'est la comédie, vous jouez là. Vous faites exprès. Moi, je ne suis pas là pour animer page. Quand je parle de vos histoires, de vos trucs politiques là, moi, je ne suis pas là pour faire des choses. Tu n'as pas vu? D'habitude, quand je fais mes vidéos, j'attends qu'il y ait au moins 1000 personnes avant de commencer ma vidéo. Cette fois-ci, je n'ai même pas attendu même qu'il y ait 500 personnes pour commencer ma vidéo. Parce que je ne suis pas là pour me faire plaire sur les réseaux sociaux. Non. Je viens, je parle d'un truc. Et puis, tu fais un peu trop tes vidéos trop longues. Une bonne vidéo, pour qu'elle soit réellement, pour qu'elle rentre dans le cerveau des gens, elle dure entre 30 et 45 minutes maximum. Tu commences à faire une vidéo d'une heure, ça fatigue le cerveau. Parce que personne ne peut s'asseoir et puis regarder une vidéo d'une heure. Même si tu veux que moi je te réponde, quand je vois que ta vidéo est une heure, je regarde les premières 5 minutes ou 10 minutes et puis je laisse. Le reste, ça ne m'intéresse plus. Donc si tu veux dire, mets toutes tes informations dans les premières 10 minutes. Par exemple, si tu fais une vidéo d'une heure, je ne peux pas m'asseoir pour lire une vidéo d'une heure 24. Par exemple, ta vidéo, l'une des vidéos que j'ai vues, où tu dis que tu me réponds là. J'ai vu une vidéo d'une heure 24. Sérieusement. Tu crois que moi, je n'ai rien à faire, je m'assois là, en train de regarder une vidéo de près de 2 heures. De près de 2 heures, c'est-à-dire que 1 heure et demie. Mais ça, c'est un temps de travail. Je perds de l'argent en m'asseyant. Je peux maximum donner 30 minutes de mon temps, 45 minutes de mon temps. Ça, c'est le maximum que je peux donner. 1 heure 30. Mais dis donc. Vous savez très bien que vos gens sont menaçants. Ce que moi, je t'ai dit. Tu as dit que, tu as dit dans ta vidéo que tu as demandé à quelqu'un, apparemment tu ne comprends pas le Bambara dans ce cas, je ne savais pas. Moi, comme tu t'appelles Ladji Chérif, pour moi c'était un djoula, je ne savais pas que tu ne comprenais pas le Bambara. Tu as dit que tu as dit à quelqu'un de t'expliquer ce que Afou Keïta a dit dans la vidéo et qu'on t'a expliqué. Et tu as dit à la personne que si c'est ça que Afou Keïta a dit, franchement, moi je ne suis pas d'accord.
Et puis tu viens là, puis tu dis, sincèrement, moi je dis à la personne que je ne suis pas d'accord. Mais attends, là dit shérif, tu es un frère. Tu es un frère et j'ai trop de respect pour toi. Mais quand toi-même, quand tu t'écoutes là, tu trouves ça normal. Quand toi-même, tu t'écoutes. Oui, j'ai demandé à quelqu'un qu'est-ce qu'elle a dit. Et puis quand on a fini de m'expliquer là, j'ai dit que non, non, j'ai dit à la personne, ce n'est pas normal. La personne, tu as combien de followers sur ta page? Une seule personne à qui tu as dit là. C'est ça qui est l'opinion publique là. Mais attends, pourquoi quand tu fais ta vidéo là, pourquoi tu ne dis pas à la personne et puis après tu ne fais plus ta vidéo? Pourquoi quand tu viens faire tes vidéos là, pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me dire à moi, ah Bob, lui, voilà ce que je pense et puis tu raccroches? Parce que tu fais tes vidéos pour l'entendement populaire, que tout le monde comprenne. Pourquoi dans ce cas, quand quelqu'un te dit, quand on a fini de t'expliquer la vidéo, pourquoi tu ne viens pas manifester ton mécontentement publiquement pour dire, appelez-moi Afou Keïta et appelez-moi les autorités ivoiriennes. On m'a expliqué ta vidéo, Afou Keïta. Et sincèrement, ce que tu as dit, c'est très grave. Ça ne se fait pas. Et moi, en tant que RDR, en tant que RHDP, je ne peux pas supporter ça. Et j'appelle les autorités parce qu'on ne peut pas mettre. Par exemple, tu as fait une comparaison avec Peter. Moi, je ne fais pas un combat pour Peter. Moi, je fais un combat de justice. Moi, je m'en fous de Peter. Toi, tu sais très bien, tu es bien placé pour savoir que Peter a publié mes données personnelles. Ça aussi, ça mérite prison. Ça mérite même plus que prison. Je pourrais lui faire mal. Mais ceci dit, j'ai fait la paix. Et quand moi, je dis j'ai fait la paix, grâce à Jean Charest, on a fait la paix. Et je ne lui en veux plus. Mais cela ne veut pas dire que j'approuve sa maladresse vis-à-vis de certaines choses. Je n'ai jamais dit que ce que Peter a fait est vrai. Ou bien bon, non. Au contraire. Je condamne cela. J'ai fait plusieurs vidéos. Tu dois repartir, revoir mes vidéos. Apparemment, tu ne les as pas regardées. Où les gens te disent et on ne te dit pas d'autres parties. Parce que vous avez cette malice-là. Vous avez cette intelligence-là de découper les sujets et de prendre juste ce qui vous intéresse et le reste, vous ne. Alors que quand moi, je fais mes vidéos, je vais du bout en bout. Et une phrase ne fait pas toute ma vidéo. Parce que dans ma vidéo, je peux y mettre 4, 5 messages en même temps. Donc, si tu as pris un seul message dedans, c'est que tu as loupé quatre messages. Et bizarrement, les cinq messages ou bien les trois messages, peu importe le nombre de messages que je fais passer dans une vidéo, ces messages-là se rejoignent quelque part. C'est comme ça que je fais toujours mes vidéos. C'est que je fais tout pour qu'il y ait une liaison entre les messages, pour ne pas que je fasse du coq à l'âne. Même quand les messages sont différents, je veux qu'ils aient un lien commun quelque part, pour ne pas que ma vidéo soit comme du coq à l'âne. Celle que tu prends ici, tu parles ici, on ne sait pas finalement où tu vas. Voilà. Donc, je fais toujours pour trouver une chose comme une liaison quelque part. Donc, je ne te parle pas de Peter. Pourquoi? Je ne te fais pas un combat de Peter. Parce que depuis là, vous, les gens de RHDP, vous parlez comme si moi, je me suis résigné en avocat de Peter. Ou bien comme si j'étais en train de faire un combat de Peter. Mais attendez, vous faites exprès ou quoi? J'ai fait plusieurs vidéos dans lesquelles j'ai expliqué que ce que Peter a fait, c'est mauvais. Je ne fais pas un combat de Peter, je fais un combat de justice. J'ai dit que Peter peut pas l'être. Toi-même, tu as dit, le poste de ministre de la Réconciliation a été créé après les élections de 2020. Le poste de... Il y avait un truc, comment dire, genre, un bureau de... comment on appelle ça? De réconciliation, qui était dirigé par ce baoulé-là, de Yam Sokro-là. Conan. Le frère de Konya Kodio-là, comment? Bani. Et après, ça a créé pas mal de problèmes. Beni est quitté là. Il n'était pas ministre de la Réconciliation. Bani n'était pas ministre de la Réconciliation. Il était le directeur d'un organe de réconciliation. Et c'est là, après maintenant, après cette élection de 2020, Alassane a jugé bon de créer un ministère carrément de la Réconciliation. Les gens même se moquaient. Pourquoi un ministère de la Réconciliation et tout ça? Et que c'était pour distribuer l'argent. En fait, on cherchait, les gens disaient même qu'on cherchait une place pour donner à chose, pour donner au moins une place à chose au KKB pour le service rendu, parce qu'il avait rendu les élections crédibles. Parce qu'effectivement, si KKB n'avait pas été candidat, ça rendait ces élections-là caduques. Et donc, les gens disaient que c'était pour remercier KKB qu'on avait créé ce poste-là pour lui. Parce que c'était la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'on crée un poste ministériel de réconciliation. Donc, depuis que ça a été créé après les élections, donc on estime que tout ce qui a été fait, et ce qui va être fait pendant que le ministre de la Réconciliation est en fonction, ça va dans le cadre de la réconciliation. Dans ce cas, il faut pardonner. C'est ainsi que moi, j'ai compris et que je n'ai rien dit. Lorsque ces Ouala et recteurs sont allés en Côte d'Ivoire et puis on ne les a pas arrêtés. C'est comme ça que moi, j'ai compris. Voilà comment moi, j'ai compris. Sinon, pendant les élections,
Il y a eu pas mal de sorties, y compris moi-même. Nous tous, nous avons fait des sorties parce que chacun se défendait comme il pouvait. Parce que tout était ouvert. Il n'y avait pas de... Voilà, chacun se libérait comme il pouvait et chacun se battait comme il pouvait. C'est en cela qu'on a vu les bacs à verre ici. On a vu des gens aller tuer et tout cela s'est resté sous silence. C'est ainsi qu'on a vu. C'est voilà, juste après avoir fait sa vidéo meurtrière, il allait à Abidjan, personne ne l'a arrêté. Le recteur allait à Abidjan, personne ne l'a arrêté. Donc moi, je me suis dit que c'est la réconciliation, c'est pourquoi on ne les a pas arrêtés. Chose bizarre, vous voulez que pour Peter soit plus grave que pour Sewala, pour recteur et pour les autres. Et vous trouvez des prétextes en disant que non, pour lui là, ça sort du cadre de la réconciliation parce que c'est une menace directe contre l'État. Et que cette menace est avérée et qu'elle est existentielle. Parce que Peter 1, il a publié des choses que moi-même je reconnais d'ailleurs. Qu'il a publié des données de la sécurité nationale. Donc, on a besoin de savoir quand même d'où viennent ces données-là. Ce que je conçois, je suis d'accord avec vous sur ce plan, qu'il faut chercher à savoir. Mais après, quand vous aurez fini de faire votre enquête-là, libérez-le. Parce que ça rentre dans le cadre de la réconciliation. Et cette réconciliation, je me rends compte finalement, quand j'analyse bien la situation, je me rends compte que cette réconciliation, elle est biaisée depuis longtemps. Parce qu'on ne peut pas mettre un ministère de la réconciliation et toujours garder des gens en prison qui sont en prison depuis 2011. Ce n'est pas juste. C'est en ce moment que je me rends compte que, en fait, vous croyez trop malin pour blaguer les gens, quoi. Alassane Draman Ouattara se croit trop malin pour tromper la vigilance des gens et tromper tout le monde. Il garde des gens en prison, des gens qu'il a attrapés dans le cadre de la guerre qu'il y avait entre eux militaires, entre Gbagbo Laurent et lui. Gbagbo Laurent lui-même, il mange aujourd'hui avec Alassane, il boit avec Alassane. Et ceux qui ont pris des armes pour Gbagbo Laurent, eux, ils croupissent toujours en prison. Et les deux là, idiots qu'ils sont, ils boivent, ils mangent et ça ne les dérange pas que des gens pourrissent en prison pour eux. Moi, un bon leader, c'est celui d'abord qui est prêt à se sacrifier. J'ai regardé un documentaire d'Alassane Draman Ouattara où il était avec Tungara. Et puis, il a dit au Tungara là que comme c'est moi que les gens veulent, moi j'ai déjà fini, j'ai fait mes enfants, j'ai déjà travaillé, j'ai déjà fini ma vie. Donc je préfère aller, ils vont m'attraper, ils vont me tuer. Et puis Tungara lui a dit, ah, chez nous les chefs ne meurent pas seuls. Donc dans ce cas, moi-même je vais t'accompagner, puis on va nous tuer en même temps. Tu comprends? Et que c'est là que Tungara a dit que lui, sa première fois, généralement les chefs, les gens meurent pour les chefs. Mais c'est la première fois que lui voyait que un chef veut mourir pour ses sujets. Un chef est prêt à mourir pour ses sujets. Il veut que lui veut partir, on va l'attraper, on va le tuer, et comme ça, ses sujets vont vivre. C'est là qu'il a dit, il a vu ça. Moi, ça m'enseigne beaucoup de choses quand je vois ce genre de témoignage. Je comprends beaucoup de choses. C'est-à-dire que Gbagbo Laurent, lui, les gens sont allés se battre. Pendant que lui, il était président, c'est pourquoi les gens sont allés se battre. Ils ont pris les armes pour protéger le président de la République que eux, ils reconnaissaient. Et ces gens-là aujourd'hui sont en prison. Comment dire, détachés de leur famille, maltraités tous les jours. Et Gbagbo se permet de danser, de boire avec Alassane Draman Ouattara, qui a mis ces gens-là en prison. Sans tenir compte de la souffrance de ces gens à cause de lui. Et Gbagbo, lui, il a été libéré. On va en revenir tout à l'heure parce que tu disais que Gbagbo n'a pas été libéré. Apparemment, tu ne connais pas la chose juridique. Ça, c'est une chose qu'il faut apprendre encore. Donc, Gbagbo est libéré. Et les autres sont en prison alors qu'on les accuse d'avoir commis ces crimes-là à cause de Gbagbo Laurent. Eux, ils sont en prison. Gbagbo est libéré. Il mange, il boit avec Alassane Draman Ouattara. Ça veut dire qu'en fait, Gbagbo, il s'en fout. Apparemment, Alassane protège mieux ses sujets que Gbagbo Laurent. Parce que c'est Alassane Draman Ouattara. Il n'allait jamais même cesser de parler tant que ces gens-là ne sont pas libérés. Mais Gbagbo, lui, s'en fout. Il mange, il boit, il danse. Et il s'en fout des gens. Lui n'a pas encore fini de libérer les gens en prison depuis 2011. Et c'est de chez Peter il veut parler. Bon, ça, c'est une autre histoire. Bon, c'est un gros con, un gros hypocrite. Maintenant, tu dis comment dire, que moi, je suis en train de faire un combat pour Peter. Non, je ne fais pas de combat pour Peter. Je fais un combat de justice. Je dis que si vous avez dit que on doit tout pardonner, pardonnons tout. Pardonnez tout. Vous voulez savoir où sont quittées les radios et tout et tout, peut-être vous pouvez faire des enquêtes. Je suis d'accord avec vous. Mais après, libérez-le. Voilà ce que moi je dis.
Après libérer Peter, Peter n'est rien pour moi. Et Peter, c'est un con. Je sais que même s'il sort de prison, il n'apportera rien à la Côte d'Ivoire. Il n'apportera rien à l'Afrique. Il n'apportera rien au monde. Mais Jésus, faisons la part des choses. Parce que Peter, c'est comme tout le monde. La façon dont vous prenez Peter aujourd'hui, là, je me vois en lieu et place de Peter. C'est-à-dire que pendant qu'on parle de réconciliation, moi-même, je peux subir la même chose. N'importe quel Ivoirien peut subir la même chose. Et ce n'est pas normal. Ayez le courage de reconnaître que ce n'est pas normal qu'on parle de réconciliation et pendant ce temps, on fait la chasse à l'homme. Peter n'était pas recherché. C'est quand Peter allait en Côte d'Ivoire que vous avez ressorti ces vidéos et les gens vous ont écouté. C'est-à-dire que c'est pour faire d'abord plaisir. Ce n'est pas pour sécurité de l'État. Parce qu'il y a longtemps, Peter a fait ses vidéos. Pourquoi à son temps, on n'a pas lancé un mandat d'arrêt contre lui? Si Peter y avait un mandat d'arrêt contre lui, il n'allait même pas rentrer en Côte d'Ivoire. À l'aéroport, déjà, on allait l'attraper. Juste... C'est-à-dire que de l'aéroport direct, et puis on allait l'envoyer à la banque. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de mandat contre lui. Donc, ça n'inquiétait pas l'État. L'État, voilà, selon Guillaume, là, il y a un mandat contre lui. Selon Guillaume, il y a un mandat contre lui. Peter, il n'y avait pas de mandat d'arrêt contre lui. Parce qu'un État a un fonctionnement. Un État a sa façon de fonctionner. Quand un État poursuit quelqu'un, on lance ce qu'on appelle avis de recherche, on lance un mandat d'arrêt, soit national, soit international. Quand on se rend compte que la personne n'est pas sur le territoire, on lance un mandat d'arrêt international. Ça n'a pas été fait dans le cadre de Peter. Et tous ceux que vous prenez pour mettre en prison, vous ne faites jamais ça, alors que vous ne respectez jamais la procédure. Vous les attrapez d'abord avant d'ouvrir une procédure. Comme si c'était du flagrant délit. Ça ne peut pas être du flagrant délit à partir du moment où les vidéos ont été faites avant. À partir du moment où les vidéos ont été faites avant, à partir de ce moment-là, on ne parle pas de flagrant délit, on parle de comment déjà, d'une enquête en cours. Une enquête en cours. Donc l'enquête doit être sanctionnée par l'arrestation de la personne pour que l'enquête soit continue. Et donc, pour que ça soit sanctionné par l'arrêt, chose comme l'arrêt de la personne, par l'arrestation de la personne, il faut qu'on lance au moins un mandat d'arrêt, un avis de recherche. Ça n'a jamais été le cas. Peter est rentré. C'est 3 jours plus tard, il était en Côte d'Ivoire, que vous êtes allé le prendre à l'aéroport, dans son hôtel. Et jusque-là, le procureur n'a pas encore justifié. Le procureur n'est même pas capable, tellement c'est honteux. Le procureur n'est pas capable de nous dire de ce qu'on lui reproche. Pourquoi on le poursuit? On veut savoir si on le poursuit pour les radios qu'il a divulguées. On veut savoir si on le poursuit parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de langues qui se délient. On veut savoir si Peter a été, tué, a été arrêté parce qu'on dit qu'il aurait tué quelqu'un, quelque part, un braqueur, si c'est pour ça qu'on l'a arrêté. On veut savoir s'il a été arrêté pour apologie, chose comment dire, genre, au coup d'État. On veut savoir pourquoi Peter a été arrêté. Parce que le gars a été arrêté. Entendu pendant plus d'une semaine au commissariat, et après à la brigade de recherche, et après transféré à la Maca, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est au cabinet, on ne sait même pas le chef d'accusation. Et vous appelez ça justice? Ça, c'est quelle justice, ça? C'est quelle justice, ça? Alors que vous savez très bien que Peter n'est plus une personne anodine. Peter est connu. Même s'il est bête, mais il est connu. Même s'il est idiot, mais il est connu. Il est connu des réseaux sociaux, il est connu de tous. D'ailleurs, il est même plus connu que les gens. Il est plus connu au RDR que partout. Puisqu'on voit, lui est le ministre de la Jeunesse. On le voit dans les photos. On le voit avec l'ancien Ouattara, paix à son âme. On le voit avec plein de dignitaires du RHDP. Vous le connaissez mieux que nous. Vous le connaissez mieux que nous. Donc, vous savez que c'est un homme populaire. Et un homme populaire comme Peter ne peut pas être arrêté. Et puis il va avoir silence radio. Il faut que les gens communiquent sur son arrestation. On veut savoir ce qu'on lui reproche, pourquoi il a été arrêté. Mais jusque-là, rien. Ça veut dire que vous n'avez rien contre lui. Mais si vous n'avez rien contre lui, il fait quoi en prison? Voilà le débat. Donc si tu veux un débat réellement, moi je suis d'accord. Quand tu veux, comme tu veux. Moi je veux un débat avec toi, l'Adji Shérif. Je veux un débat avec toi, comme tu. C'est toi qui souhaites le débat d'ailleurs. Moi je suis d'accord. Quand tu veux, comme tu veux. Si tu veux, demain même, on peut faire le débat. Choisis l'heure, tu me dis. Et on fera le débat. Mais je vous dis, ce n'est pas normal. Comment toi, tu peux dire que non? Écoute, moi, j'ai demandé à une femme ce que chose a dit là. Ce que Afou Keïta a dit là. Et puis la femme m'a dit que ah, vraiment, c'est grave. Quand on m'a expliqué, j'ai compris que non, ce n'est pas normal. Et j'ai dit à la femme là, elle est qui? Nous, on la connaît. Ou bien la femme là, elle est Facebook. Elle travaille à Meta. J'ai dit à la femme, vraiment, si elle a dit ça, vraiment, c'est que ce n'est pas bon. Hein? Moi, j'ai dit ça à la femme là. Et bien, c'est quoi ça? Quelle est cette comédie-là? On dit, est-ce que tu as fait vidéo?
C'est ça l'influenceur. Vous êtes des influenceurs. Votre opinion compte. Quand tu dis, que je t'ai entendu dire, un cyberactiviste ne dérangera jamais le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Tu m'as fait rire. Quelle ignorance. Excuse-moi du thème, mais il faut appeler le chat chat. Tu es vraiment ignorant. Parce que si les cyberactivistes, si les réseaux sociaux ne pouvaient pas déranger le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara, Alassane Draman Ouattara n'allait pas venir dire que lui, il est là, il entend plein de trucs sur les réseaux sociaux et il n'y a personne pour répondre. Il sait très bien donc que ça compte. Et ce n'est pas pour Alassane Draman Ouattara seulement. Tous les pays, tous les présidents du monde savent que les réseaux sociaux, l'opinion des réseaux sociaux, ça compte beaucoup. Personne ne néglige cela. Tu es le seul qui pense que ça ne peut pas déranger Alassane. Sinon, lui, il est conscient que ça peut le déranger. Lui, il est conscient qu'un vent peut partir des réseaux sociaux et puis l'enlever au pouvoir. Lui, il est bien conscient de cela. Il connaît l'influence des médias. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris le pouvoir sur les médias. Mais apparemment, tu ne l'as pas encore compris, toi. C'est pourquoi, quand toi, tu vas parler, toi, Lagi Shérif, quand tu vas entendre ce que cette femme a dit dans la vidéo, ce que Afou Keïta a dit dans la vidéo, et quand tu viens, tu mets ta caméra et puis tu parles, tu communiques là, c'est important. C'est pourquoi c'est important que tu dises quelque chose et que tu appelles les autorités pour dire cette femme doit être mise aux arrêts parce que ce qu'elle a dit est très grave. Donc, si nous poursuivons d'autres personnes pour la gravité de leurs paroles, pour la gravité de leurs actes, nous devons aussi faire le nettoyage chez nous pour préserver la paix, pour encourager la réconciliation. On ne peut pas continuer de faire la chasse à l'homme dans un seul camp et laisser les autres impunis. Ah non, ça ne peut pas se faire. J'entends quand je fais mes vidéos, j'entends matin, midi, soir. Toi, on t'attend au pays, on t'attend au pays. Pourquoi? Parce que les gens font référence à des vidéos pendant les élections qu'on avait faites. Pendant les élections de 2020. Et pourtant, c'est des vidéos où je répondais aux actions, aux vidéos de l'éclaireur et des choses, comment dire, et de ces voilà. C'est voilà, va au pays, il n'y a rien. L'éclaireur va au pays, il n'y a rien. Mais les gens sont toujours en train de prôner qu'on attend Bob Lee. C'est un règlement de compte. Ça, c'est ce qu'on appelle un règlement de compte. Et bizarrement, pour montrer qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire, c'est en Côte d'Ivoire seulement que les gens portent plainte. Pourtant, il y a un ambassadeur ici qui peut porter plainte contre moi ici aux États-Unis. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous n'avez jamais gagné de procès hors de la Côte d'Ivoire. Parce que votre procès, comme toi-même tu le disais, tu dis, non, Gbagbo, on n'a pas eu de preuves. Laisse-moi t'expliquer cette partie-là. C'est vous n'avez jamais les preuves contre les gens, même contre Soro Guillaume. À la CDAO, vous êtes allé porter Soro Guillaume allé porter, il a gagné le procès contre vous là-bas. C'est que vous n'avez jamais preuves, mais vous êtes toujours prêt à accuser. Depuis que vous êtes né, depuis que le RDR et le RHDP existent, il n'y a pas un seul procès que vous avez gagné hors de la Côte d'Ivoire. Un seul, vous n'avez jamais gagné. Un seul, je n'ai pas dit deux, je n'ai pas dit trois. Un seul procès, vous n'avez jamais gagné. Même contre le Mali encore, à l'ONU, vous avez perdu encore. Même contre le Mali, pour les 46 personnes là, que le Mali détient là, même contre le Mali, vous avez perdu encore. Vous n'avez même pas pu étayer ça. Vous n'avez même pas pu prouver au Mali que ces gens sont effectivement innocents et qu'ils ne sont pas allés en guerre et qu'ils sont partis dans le cadre de l'ONU. Les gens de l'ONU ont produit deux communiqués. Le premier communiqué disait qu'eux, ils ne connaissent pas ces gens-là. Et après, là, eux, ils viennent maintenant, ils ne produisent plus un communiqué écrit, mais ils produisent maintenant un communiqué verbal en disant que non, ces gens-là, on les reconnaît maintenant. Ça veut dire qu'un travail de fond a été fait. Les choses. Alors, quand on a deux communiqués, eux, ils sont libres de croire le communiqué auquel ils veulent. Voilà ça. C'est ça qui fait que les gens-là sont encore là-bas. Soit dès le départ, quand la première lettre allait à l'ONU, si l'ONU avait reconnu automatiquement que ces gens-là travaillent pour eux-là, il y a longtemps, ces gens-là n'avaient même pas été arrêtés, n'avaient même pas été inquiétés. Mais l'ONU a dit d'abord qu'ils ne sont pas pour eux. Une lettre, la lettre, les Maliens ont ça. Et après maintenant, quand Alassane maintenant bouge les choses, maintenant, les pions, quand Alassane contacte les pions maintenant, ils viennent maintenant après maintenant pour dire, ah non, 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 nous les reconnaissons maintenant, à partir de quoi? Les spécialistes ont dit, donc donnez les détails. Comment vous les reconnaissez là? Donnez leur matricule dedans et tout, il n'y a pas de matricule. Parce que tous ceux, quand même tu as un matricule en tant que militaire en Côte d'Ivoire et que tu dois aller travailler pour l'ONU, on te donne un nouveau matricule. Ce matricule n'existe pas. Donc, quand vous ne savez pas de quoi vous parlez, à un moment donné, taisez-vous un peu et puis regardez les gens faire. Parce que Alassane sait dans quoi il est. C'est lui qui les a envoyés. Lui, il sait dans quoi il est. Mais vous ne savez rien. Donc, taisez-vous un peu. Maintenant, quand tu dis que Gbagbo n'a pas été libéré, hein, c'est que par manque de preuves, on l'a libéré. Attends, tu parles de quoi là-même? Tu raisonnes. Excuse-moi, hein, frère. Tu es mon frère. Je dis que, franchement, si je te manque un jour dans mes vidéos, excuse-moi parce que ça ne sera pas voulu.
Ça sera indépendamment de ma volonté. Mais laisse-moi te dire une chose. La libération, on peut libérer pour plusieurs raisons. Toujours est-il que si on t'a pas, on t'a libéré pour insuffisance de preuves, ça veut dire qu'on t'a innocenté. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu es innocent. Parce que si tu étais coupable, on allait prouver que tu es coupable et on allait te condamner. Si on t'a libéré pour un manque de preuves, je t'ai dit pour insuffisance de preuves, non? Ça fait un. Il y a une deuxième chose. Si on t'a libéré pour manque de preuves, ça veut dire que tu es innocent. Tu comprends, non? Et puis, il y a la troisième chose. Quand toi-même, tu as apporté la preuve que tu es innocent, c'est-à-dire que c'est les autres qui t'accusent, non? Et puis, tu apportes la preuve maintenant que tu es innocent, que tout ce que les gens racontent, que c'est des bêtises, que voici ton innocence. On dit que tu as tué quelqu'un à 11h à New York. Alors que à 11h, le même dimanche à 11h, toi, tu n'étais pas à New York, tu étais au Texas. Ça, c'est apporter la preuve. Et là, on ne va plus dire que non, que tu es chose, comment déjà, parce que tu as apporté la preuve du contraire. On dit toujours pour insuffisant de preuve. Voilà comment on calcule ça. Alors que toi, tu as prouvé que tu n'étais pas là. Mais on va dire, pour te libérer, on va dire pour insuffisant de preuve ou bien pour preuve inexistante. Pour te libérer. Tu comprends? Hein? Mais ici, les Américains font les choses encore bien. On dit dismiss, annuler. On dit carrément dismiss. Et quand on dit dismiss, ça veut dire soit pour insuffisance de preuve, soit même la personne a retiré sa plainte, soit pour plusieurs raisons, toujours est-il que le procès n'est pas fini par une condamnation. Donc, clair. Donc, ça a été dismiss. Tu comprends? C'est ça. Donc, tu ne vas pas fabriquer ton procès à toi pour dire non, hein? Ils n'ont pas été innocents. C'est ça là. C'est le manque de connaissance, l'ignorance que vous prônez dans votre camp. Vous faites croire aux gens que vous connaissez un peu trop et vous leur pourrissez l'esprit. En disant, hé, non, il n'a pas été libéré. Hein. Babo n'a pas été libéré. Hein. C'est parce que les preuves là, en fait, on a oublié d'autres au Marigot, on a oublié d'autres dans les plantations, donc on n'a pas tout donné, c'est pourquoi ils l'ont libéré. Hein. Ça n'avait pas dit qu'il est innocent. De quoi tu parles? Babo et Blaise Dugoudé ont été reconnus innocents. Pour insuffisant de preuves, c'est être innocent. Le cas a été dismiss, purement et simplement. Ça a été dismiss. Plusieurs fois, ça a été rejeté pour insuffisant de preuves. Et après, finalement, on a jugé que les gens qui accusaient étaient incapables d'apporter les preuves nécessaires pour les condamner. Donc, on a dismiss ça purement et simplement. Quand on dit qu'on vous a donné, pendant des années, on vous a donné le temps d'apporter les preuves de leur culpabilité et que vous n'avez pas apporté ces preuves-là et qu'on a dismiss le case, c'est dismiss. Je te préviens que le procès a été fait en anglais. L'anglais que moi, je parle. Le procès était fait en anglais et la rédivision était faite en français et dans plusieurs autres langues. Et on a dit « dismiss ». Voilà le mot qui a été prononcé. « Dismiss ». Annulé. Le procès est annulé purement et simplement. Pourquoi? Pour insuffisant de preuves et pour manque de preuves. Parce que la partie adverse n'a pas été capable d'amener les preuves pour condamner. Et c'est la partie adverse qui était plaignante. C'est eux qui se plaignent. C'est eux qui devaient amener les preuves. C'est parce qu'ils pensaient avoir les preuves qu'ils ont accusé Gbagbo Laurent. Ils n'ont pas pu amener les preuves pour le condamner. Donc, c'est dismiss. Tu comprends? Donc, arrêtez de raconter des bêtises à vos gens. De ceux qui pensent que Non, donc Gbagbo et Blaise Goudé sont encore coupables, hein, et que c'est parce que les preuves là, en fait, c'était en route, quoi. Donc, on n'a pas pu amener les preuves à temps, donc on l'a libéré. Déjà, si les preuves là même là, qui étaient dans l'avion là, au moment où on partait là, si c'était arrivé à temps là, on allait le condamner encore, c'est faux. C'est faux, il n'y avait pas de preuves. Ils étaient innocents. Donc arrêtez ça, parce que ça là, ça contribue à la haine, ça contribue à pourrir l'esprit des gens, ça contribue à faire croire, à ne pas chercher la vérité, à ne pas chercher les vrais coupables. Parce que tant que vous allez pourrir, vous allez mentir à vos gens pour faire croire que non, Babo n'est pas libre, il n'est pas chose, hein, innocent, hein, Blaise Goudé n'est pas innocent, hein, c'est parce qu'on n'a pas pu donner toutes les preuves, hein, si on avait encore des preuves, hein, et que c'est eux les coupables. Mais peut-être que par la négociation, on les a laissés, c'est quelle négociation? On ne les a pas laissés par négociation. On vous a donné des années de latitude pour les accabler, pour les crucifier sur le plateau de la justice. Vous n'avez pas pu. Vous avez envoyé des témoins qui ne savaient même pas de quoi ils parlent.
Vous avez envoyé des témoins qui étaient à deux places en même temps. Des gens qui mentaient sur leur propre vie. Des gens qui ignoraient même qui ils étaient. C'est au vu de tout ça là que la justice a dit, mais écoutez, on ne peut pas continuer cette plaisanterie. C'est quoi ça? Donc, arrêtez de mentir à vos gens et dites-leur la vérité. Que Gbagbo a été innocenté. Répétez après moi. Gbagbo a été innocenté. Blaise Goudé a été innocenté. Allez-y leur dire. Dites ça aux gens du RHDP. Ne leur mentez pas. Vous leur devez la vérité. Ce n'est pas parce que les gens, en grand nombre, ne savent pas lire et écrire, ne comprennent pas vraiment français, que vous allez les manipuler à longueur de journée sur vos pages. Dites-leur la vérité. Que Gbagbo est innocent. Il a été lavé de tout soupçon. Blaise Goudé a été lavé de tout soupçon. Allez-y leur dire ça. Vous avez compris? Maintenant, ayez le courage d'assumer. Ayez le courage d'assumer qu'il y a une injustice qui se passe en Côte d'Ivoire. Et puis, quand il y a une injustice là, ne restez pas là en train de dire à vos amis, écoute, vraiment, si c'est ça là, elle a dit là, c'est grave. Non. Ayez le courage de mettre caméra pour parler, pour qu'on sache qu'il y a une injustice. C'est là qu'on voit la justesse de l'homme. C'est là qu'on voit un homme intègre. Un homme qui n'est pas dans le faux. Quand même son camp fait du faux. Vous m'avez vu ici, au moment où je faisais politique. Quand Gbagbo déconne, je l'enflamme. Quand tout le monde, Bédier déconne, je l'enflamme. Alassane déconne, je l'enflamme. Vous me connaissez bien pour ça. C'est pour dire que je n'ai pas de parti pris. Je suis bien la vérité. Et pendant ce temps, on continuait de m'appeler pro Gbagbo. Les gens m'appelaient pro Gbagbo et les pro Gbagbo disaient que non, eux-mêmes là, ils ne me reconnaissent pas. Parce qu'un pro Gbagbo ne peut pas insulter Gbagbo comme je l'insulte. Un pro Gbagbo ne peut pas attaquer Gbagbo comme je l'attaquais. Donc les pro Gbagbo ont vite fait de dire que non, moi je ne suis pas pro Gbagbo. Pendant que les gens du RHDP m'appelaient pro Gbagbo, les pro Gbagbo disaient que je ne suis pas. Et j'ai dit, moi je suis pro Côte d'Ivoire, je ne suis pas pro temps, pro tant. Non. Je ne suis pas pro Gbagbo, pro Alassanis. Mais il arrivait qu'on me juge de pro Alassanis quand ça leur plaît. On dit, oh, les pro Gbagbo disaient, oh non, lui là, c'est un pro ado, c'est un vendu, c'est tant. Et un beau jour, quand ça ne les arrange pas, on dit non, lui là, il est devenu pro Gbagbo. Les gens de RDR et de RHDP disent, oh, lui là, c'est un pro Gbagbo. En fait, les gens se fouvoyaient parce qu'ils ne savent pas au fait de reconnaître la vérité. Ils ne savent pas reconnaître ce qu'on appelle un homme intègre parce qu'ils n'en ont jamais vu de toute leur vie. C'est ça, un homme intègre. Et la vérité, elle est évolutive. La vérité n'est jamais stagnée. Il y a des vérités uniques et il y a des vérités qui progressent. Parce que ce qui est aujourd'hui ne peut pas être demain. Il y a un temps pour chaque chose. Donc, il y a un langage pour chaque temps. Ça, vous n'êtes pas quand même... Les gens ne sont pas suffisamment intelligents pour le comprendre. Et c'est pourquoi, il y a certains même qui se plaisent à dire, il est bipolaire. Il a dit tant hier, il a dit tant aujourd'hui. On peut applaudir quelqu'un hier et décrier les actions de la personne aujourd'hui parce que les choses ont évolué. Ça, il faut être intelligent pour le comprendre. Je peux dire hier que Gbagbo était bon. Que Gbagbo était bon pour la Côte d'Ivoire. Et avec du recul ou avec d'autres éléments, je peux dire aujourd'hui, non, mais Gbagbo n'est pas bon. Je peux applaudir Alassane Draman Ouattara hier. Et avec l'évolution des choses, je peux dire que non, Alassane Draman Ouattara n'est pas bon pour la population de Côte d'Ivoire par rapport à tel. Et les ignorants, les imbéciles, les idiots diront, mais tu es bipolaire. Ce n'est pas toi qui applaudissais Alassane hier. Aujourd'hui, tu dis qu'il n'est pas bon. Ce n'est pas toi qui applaudissais Gbagbo hier. Aujourd'hui, tu dis qu'il n'est pas bon. Mais attends, avec toi là, c'est quoi? Parce que vous êtes dans une dynamique qui dit que quand on est sur une position, même quand on sait qu'on n'a plus raison, on doit toujours rester sur la même position. Ça, c'est manque d'intelligence. L'homme intelligent, c'est celui qui analyse et celui qui voit l'évolution de la vérité. Et l'homme le plus idiot, c'est lui qui reste campé sur sa position, même quand elle ne l'arrange plus, même quand elle n'est plus bonne, il est toujours campé sur sa position, même quand il va à sa perte. Je vous invite dans ce cas à reprendre la parole et à situer les choses dans leur contexte. Commencez d'abord par dire que Gbagbo est innocent, que Blaise Goudé est innocent. Et sachez que je ne le dis pas en tant que pro Gbagbo parce que je n'en suis pas un. Je ne le dis pas en tant que membre du COGEP parce que je ne suis pas membre du COGEP. Et d'ailleurs, les deux personnes, je les attaque régulièrement parce que les deux personnes ne font pas l'affaire des Ivoiriens. Ce que moi je pense, ça n'engage que moi. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que je... Mais reconnaissons les choses. Comme la façon j'aime dire avec fierté qu'Alassane, c'est un bosseur par rapport à tous les présidents. Et ça, personne ne peut changer cela. Quand je le dis, vous êtes content, non? Mais pourquoi vous ne dites pas que je suis bipolaire? Quand je dis qu'Alassane, c'est un bosseur, pourquoi vous ne dites pas, toi tu mens, Alassane, il est bosseur ou ça?
Mais parce que vous savez très bien que c'est la vérité. Mais pourquoi je dis les mêmes vérités pour d'autres personnes? Pourquoi vous trouvez que c'est là que je deviens bipolaire? C'est là que je deviens ceci, cela? Et vous faites rire, quoi, souvent. Écoutez, ayez le courage de reconnaître que vous n'êtes pas suffisamment peut-être intelligent pour comprendre les gens très intelligents. Vous n'êtes pas trop instruit pour comprendre que l'intelligence est évolutive et la vérité est évolutive par moment. Il faut commencer à être franc. Il faut commencer à dire les choses comme il se doit, quand il faut. Parce que ce que nous devons rechercher aujourd'hui, nous la jeunesse, notre rôle aujourd'hui, c'est de faire de sorte que la paix devienne effective. Et Alassane Draman Ouattara, même s'il ne le pense pas réellement et qu'il a fait pour calmer les ardeurs, mais il nous a donné quand même un outil qui est le ministère de la Réconciliation. On doit en user à bon escient pour atteindre l'objectif visé qui est la paix. Ça veut dire quoi? Que d'abord, il faut être honnête envers les autres. Parce que quand, si on n'est pas honnête envers les autres, ça peut être source de conflit. Si vous, les partisans de l'opposition, les partisans d'Alassane Draman Ouattara, les partisans du RHDP, si vous n'êtes pas honnête vis-à-vis des autres, les gens de l'opposition, la paix n'évoluera pas, elle ne viendra pas, la réconciliation ne sera pas possible. Commencez d'abord par être honnête. Commencez d'abord par reconnaître que vous fautez, que vous faites des bêtises contre les autres. Ça va calmer les ardeurs. Ça va calmer les ardeurs et ça va faciliter la réconciliation et la paix. C'est ce que moi je vous demande. Sinon, moi, vos histoires de politique, je ne suis plus dedans. Parce que comme je dis là, opposition en Côte d'Ivoire, parti au pouvoir, vous êtes tous même père, même mère, des malhonnêtes et des sanguinaires. Vous êtes tous des assassins, des criminels. Donc moi, je m'en fous de tous. Que ce soit opposition, que ce soit parti au pouvoir, je m'en fous de vous tous. Mais il y a des moments où mon cœur chauffe parce que le droit, quand tu l'as, la justice, quand tu l'as, et quand tu as l'âme d'un justicier, il y a des choses qui t'énervent, quoi, et puis tu as envie de parler, même quand tu n'as plus envie. Alors frère, tout ce que tu as dit là, non, voilà, il a été montré plein de vidéos où les gens ont parlé, vidéos de 16 minutes, où les gens menaçaient. Moi, je m'en fous d'eux. Les gens menaçaient, j'ai applaudi pour ça. Et c'est sûr, je t'ai dit que je suis d'accord avec eux. Mais attends, tu parles de quoi même au juste? Moi, je suis dans un autre débat, tu m'amènes dans un autre débat. Est-ce que moi, je t'ai dit que c'est bien que les gens menacent de mort à Alassane? Ou bien je t'ai dit, mais je te parle de population. Parce qu'Alassane même là, les gens vont toujours, et il a des gens pour ça. La DST est là pour ça. La garde républicaine, il a tout un système pour ça. Pour sa sécurité. C'est pas de ça moi il parle. Mais le citoyen lambda ivoirien n'a pas de sécurité. Qui le protège chez lui? Il a garde des corps, il n'a pas garde des corps. C'est de ça moi je parle. Et ce citoyen là, pour le protéger, c'est en sèmant le grain de la paix. Il y a des langages qu'on doit bannir. Il y a des langages qui ne sont pas encouragés. Il y a des langages aujourd'hui qu'on doit bannir dans notre société. Mais vous, pendant ce temps-là, Afou Keïta, elle fait une bêtise. Elle dit des choses graves. Et un ministre, le premier ministre de la République, il applaudit. Et pour la récompenser, elle dit des choses graves. Et pour la récompenser, c'est-à-dire que vous criez parce que ça vous arrange. Les conflits arrangent. La première personne que les conflits arrangent, normalement, ça devait arranger l'opposition, mais c'est plutôt vous. Les gens qui sont au pouvoir, parce que c'est dans ces conflits-là que vous prenez toujours le pouvoir. En 2010, fin 2010, en 2011, c'est dans les conflits que vous avez pris le pouvoir. Ça fait un. En 2015, c'est dans les conflits encore que vous avez pris le pouvoir. Toujours dans oui, mort d'homme, intimidation et tout ça. C'est dans ça que vous avez pris le pouvoir. 2020, ça a été encore pire. C'est dans les conflits encore que vous avez pris le pouvoir. Apparemment, les conflits, ça vous arrange. Donc, vous faites tout pour entretenir cela comme votre bébé. Le mal de paix, c'est-à-dire que le fait qu'on mette à mal la paix et la réconciliation dans le pays, ça vous rapporte. Parce que dans ce tohu-bohu-là, vous truquez les élections, vous violez les élections, vous apeurez les gens et vous faites ce que vous voulez, vous imposez des forces. Et vous êtes en train de préparer encore les esprits. Vous avez déjà commencé la machine. Vous préparez les esprits à 2025. Parce que 2025 encore, il y aura des tueries et dans ce tohu-bohu-là, vous allez encore venir jouer les pompiers alors que c'est vous qui êtes en train d'alimenter la haine déjà. Vous allez venir jouer les pompiers, vous allez venir jouer les calmeurs, les pompiers pyromanes, alors que ça vous arrange. Ça vous arrange. Parce que vous allez venir dire que à cause de la paix, bon, ceci, cela, et voilà, on a gagné les élections, et personne ne verra clair dans les élections. C'est ce que vous avez commencé là. Ça vous arrange. Parce que si ça ne vous arrangeait pas, 13 ans au pouvoir, il y a certains qui disent 12 ans, peu importe, 12 ans ou 13 ans, c'est la même chose.
12 ans ou 13 ans au pouvoir, normalement, on devait gagner. Surtout qu'il n'y a pas eu vraiment guerre civile en Côte d'Ivoire. On devait être à un certain niveau avec la paix. Aujourd'hui, là, le citoyen lambda, surtout que nous ne sommes pas nombreux en Côte d'Ivoire. Et nous connaissons à peu près tous. Aujourd'hui, là, on devrait avoir un autre langage. Langage de paix et de réconciliation. Mais le parti au pouvoir fait tout pour ne pas que cette paix-là soit possible, pour ne pas que cette réconciliation soit possible. Et comme pour narguer l'international, ils mettent un ministre de la réconciliation là qui en réalité ne sert à rien et qui ne fait rien. Alors je t'écoute, quand tu veux et comme tu veux, apporte ton débat là et puis je vais te répondre. Pour une fois, je vais faire une session pour parler politique. Sinon, ce n'est pas mon truc. Ce n'est plus mon credo, ça ne m'intéresse pas. Mais je vais vous étayer un peu. Je vais vous instruire un peu. Donc j'attends, quand tu veux, comme tu veux. Si tu veux, on peut le faire demain. Choisis-le et puis tu me dis. Sur ce, je vous laisse. Ciao.